Jodia, nous pral parler de yon bagay qui extrêmement intrigant dans enquête article que New York Times mettait publié récemment sur assassinat Jovenel Moïse et qui accablé Jovenel Moïse, qui accablé Michel Martelly et famille, etc. Yon bagay qui extrêmement intrigant. Moi imagine que gan pile nan nou qui fait constat ça, constat tout gan pile nan nou qui parle. Et c'est pour ça moi là jodia pour moi partager avec nous une forme sim karel comme ça d'anomalie dans enquête ça. Et mais pour me faire on pral obligé et sorti parler de moi et en ce qui a trait à travail que moi fait que m'a fait avec un pile média international. Bienvenue mesdames messieurs sur Chanel Pierre Richard Midi moun ki pa trop renmé ça a excusé moi parce que moi même tout pa trop renmé ça question de étaler travail ou mais et parfois li nécessaire sur internet là grand pile moun qui doit tomber sur moi mais qui pa connaît gien tout qui parle mal qui pense que moi c'est un simple youtubeur qui n'a qu'à faire vidéo sur YouTube comme ça. À côté de 24 ans carrière que m'gien dans presse haïtienne là, moi c'est journaliste freelance, ça veut dire pigiste qui travaille en temps partiel pour plusieurs médias, grands médias internationaux. Parmi eux, il y a un média qui est Deutsche Welle, qui c'est DW, un gros média allemand que moi que me travaille pour lui comme freelance, notamment moi mettez lien une enquête que me fait avec eux sous Dadou Jambar. Enquête ça avant FIFA t'a sanctionné Dadou Jambar. L'étape a joué un rôle important parce qu'il t'a montré que malgré et FIFA t'a suspendu Dadou de façon provisoire, Dadou t'a continué entrer dans Rentland, aller dans d'autres ou non, nous allons parler avec mesdames. Donc, enquête ça, moi, j'ai fait lire, ensemble avec un journaliste anglais, mais qui a travaillé en Allemagne, qui est Jonathan Kran. Lien article ça, li en bas vidéo, dans commentaire. À côté de ça, moi, j'ai travaillé tout avec Washington Post comme journaliste freelance. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs enquêtes avec eux. Nous avons 8 mois sur enquête là. Li poko sorti. Moi, j'ai publié, enquête, sous listing diario qui c'est un pigou média qui gagne ces domaines c'est pas pigou moins collaborer avec deux guardians dans enquête sous Dadou Jambar comme dans affaire bisexuelle moins mettez lien article ça autant que me collaborer avec deux guardians en bas vidéo na alio même j'ai article listing diario et actuellement moins gagne une enquête qui gagne pour sortir sous un gros média international sous l'amour Claudie Gassan. Que yon enquête enragé avec de gros révélations qui pas pris longtemps pour sortir, m pa révélé nos médias pour qu'on y a, mais l'a bien pour sortir dans pas trop longtemps. Moi dis nous ça, ça et ça encore c'est quelques échantillons, OK, c'est échantillon. M dis ça et na excusez-moi qu'on fois, m passé me prendre temps pour me faire n'attendre n'ca parler de moi pour me faire comprendre. Approche moi pour faire sur article New York Times là, moi bien placé pour me faire. Non seulement parce que je travaille avec mon taille, mais tout parce que et notre travail avec yo moi apprendre en pile bagaille. L'école là c'est là qu'a lié et m'pa continuer apprendre du moins mais moi apprendre en pile avec yo. C'est pour moun qui tout vent dit Michel même journaliste et tout. Attention, moi pas journaliste tout, c'est un grand journaliste. Moi c'est un journaliste respecté au niveau international et en Haïti tout. Donc voilà. Il était important pour petit jeune ou même monde qui fait tomber sur moi qui comme dans pile haïtien qui fait vidéo sur YouTube et qui a frappé pour ne pas penser que c'est même bagarre là. Non. Nous en a fait avec un journaliste expérimenté, chevronné, respecté et par ses confrères au niveau de l'international. Est-ce que nous constatons que dans l'article qui fait dans New York Times là qui parlait de son fait d'abord son gros travail, son super travail, il y a pile méthodologie là-dedans, ils sont gros enquêtes, mais bien ou bagaille, moi pas comprendre. Puis fort monde ou bien presque tout le monde qui parlait dans l'article là, ils ont seulement accablé branche Michel Martelly dans PHTK. Article là prend le soin, en tout cas monde qui parlait parce que son article est basé sur témoignage, monde qui parlait yo prend le soin à aucun moment gien des noms qui lié avec Michel Martelly et moins certains qui a gien connexion avec l'homme Jovenel Moïse tout yo pas jamais fait référence avec yo n'a mandé qui ça on ka citer par exemple le cas de Léon Charles article là pas gien aucun monde qui parle là-dedans qui jamais fait référence à Léon Charles alors que c'est Michel Martelly tout qui t'a choisi Léon Charles parce que
article là dit que personne moun pa ka vin occuper aucun poste nan PHTK nan régime Jovenel là sans et la famille Martelly pa d'accord. Eh bien Léon Charles c'était un cas comme ça. N'a pas d'accord, yon nèg, yon groupe moun kap dirije yon réseau drogue, yon nan pouye bagay pou kontrole, c'est la police. Et meilleure façon pour contrôler la police, c'est assurer que directeur de la police a li bon koto. Choix Léon Charles, comme directeur de la police, ou Léon Charles nan lan mort Jovenel Moïse, parce que c'est lui même qui chef la police, gon commissaire la police qui tout près kay Jovenel, yon pas jamais rivé, Jovenel Moïse terrele Léon Charles après le terrele Dimitri Erra, Dimitri Erra nan prison, Léon Charles lui même l'ambassade de Haïti après. Aucun monde pas fait rapport avec, par exemple, dans l'article, ça, personne, il pas parlé de Léon Charles. Qui responsabilité, dans la mort de Jovenel Moïse, qui s'est été joué pendant tant de directeur général là, dans le trafic qui t'a fait, tu, puisque c'est chef de la police, d'ailleurs, un commissaire police dans le nord-ouest qui parlait, qui dit que Léon passe policier au Lod, et l'élu, Léon pas répondre. Léon Charles, sans doute, lui, évidemment, monsieur au courant, il joue un rôle dans le réseau, ça pas parlé. Bon, l'autre monde qui s'était ancien chef CSPN, Claude Joseph, qui t'est couru, dit quelques minutes après ces Colombiens, ces Vénézuéliens, article là, pas bon qu'il y ait un moment, il a parlé de Claude Joseph, pourtant il a parlé de Ariel Henry. Oui, c'est normal, pour article là, parler de Ariel Henry, parce que, information montrait que Ariel Henry n'était pas là avec Joseph Badjo, dans la nuit, dans mon journal là. Très bien. Mais, article là, à aucun moment, pas bon qu'il y ait un monde qui j'aime songer pour dire que, il y a un mercenaire colombien dans Noticias Caracol avec un son que Noticias Caracol dit FBI Bali, côté que vous citez dans Claude Joseph. Donc, connexion Claude Joseph, qui est dans PHTK, qui t'a approuvé choix Claude Joseph pour venir premier ministre provisoire après Joseph Jout, c'est encore la famille Martelly. Mais apparemment, il y a une autre branche dans PHTK. Ok, même après les journalistes, cap essayer faire tout ça possible pour non nous capacité parce que gon tendance de créer une opposition en dans même PHTK avec les Claude Joseph, les Léon Charles, les Martin Moïse, etc. L'autre bagarre encore, ça intrigue que médias américains, notamment New York Times qui paraît qui fait plusieurs articles sur et enquête sur le dossier ça, pas jamais remettre en question, pas jamais creuser les versions contradictoires de Martin Moïse. Témoignage de Green Gosselio, version dépament, tout le monde passe sous ça, où madame n'était victime d'où, elle était blessée, il prend 8-9 balles, il prend balle dans rien, il dans ce temps, il était campé, moins que 10 jours après, il a fait campagne. Ça, dans l'article, dans l'enquête, il n'y a pas parlé. Et encore, dans tout ça, il a parlé de Dimitri Erra, effectivement, qui est en prison, moun qui est en prison, yo, qui est en complot, il a parlé de yo, mais moun qui est libre, puis il faut là, pas parlé de yo, après Joseph Badjo. Je ne pas parler de Arcangel Pretel. Arcangel Pretel, qui c'était nek, qui était recruté tout Colombien pour CTU Miami. Qui gagne, qui est Gabriel Pires, le Colombie, mais les États-Unis, le Arcangel Pretel, lui-même tout, son ancien informateur d'IE, CIA, etc. Donc, dans l'article ça, de mon point de vue, à mon humble avis, selon analyse PAM, selon jugement PAM, moi, trouvé que, plus fort, moun nan assassinat Jovenel qui gen connexion à la fois avec qui gen connexion avec bon parti qui gen connexion avec Michel Martelly avec Laurent Lamotte puis font ça qui connecté en pile avec Laurent Lamotte, tu veux pas parler de yo. Et effectivement Laurent Lamotte c'est un nan pour me pas dire pigou associé en affaire et que Martelly te gen que qu'a toujours gen bagé élément ça. À aucun moment connexion et Vini Jovenel Moïse et question drogue, par contre, si l'on a la moitié impliqué dans l'affaire drogue, matin, il y a eu un abîme, il n'est pas impliqué. Mais non, l'on a la moitié pas jamais sorti dans rien du tout. En ce qui a trait aux connexions avec Michel Martelly, bien sûr. On va parler de connexion drogue, mais même au niveau de la politique. Article là, font pile rappel, pendant ce temps, et l'on a la moitié non pas jamais sorti dans rien. Bagala focus seulement sous la famille Martelly, bien évidemment que moi d'accord parce que moi-même c'est le premier monde qui peut dire que la mort Jovenel Moïse sorti en PHTK et pas qu'à sortir dans PHTK sans Martelly pas au courant. M'étais toujours convaincu de ça. Mais comment faire pour un pivot associé Martelly dans déchirer pays qui c'est Laurent Lamotte, déchirer l'argent plutôt caribé, dans faire corruption. OK? C'est Laurent Lamotte pour non tout médias, tout bagage qu'a fait au niveau international, et Laurent Lamotte, Christine Dadou, gon soin qui prend pour connexion pas faire avec elle.
Et pourtant, moi, je crois que la connexion est évidente. Kounia, bien évidemment, on est d'accord, c'est moun qui parle. C'est moun qui parle. Moun qui parle dans l'article ça, on est presque d'accord, plus fort, c'est moun que je dis après les jovenelistes. Autant des anciens aux fonctionnaires, conseillers Jovenel Moïse, etc. D'ailleurs, Notissas Caracol, média colombien ça, très respecté, qui plaît des cités dans Jean-Joseph depuis le début, pas aucun média américain, pas aucun média États-Unis, un gros média qui jamais fait aucun article ni aucune enquête sur Baptiste. Mais en Haïti, on a constaté que mais affaire et Claude Joseph qui était non cité dans l'amour Jovenel Moïse là, mais on en rare mais presque grand monde seulement qui peut parler de ça. Que ce soit média en ligne ou bien média traditionnel yo, bagaille ça qui passe sous lui. Et pourtant il réel. Il réel parce que nous tant des voix yo mercenaire qui a dit que li certain c'est Claude Joseph qui bail l'ordre là parce que monsieur te promet yo dit c'était promet yo date li trahi yo et que à la fin li vinn courir dit c'est colombien avec vénézuélien sans que pas d'aucune enquête qui était faite ça oui Ariel Henry Michel Martelly mais Claude Joseph c'est Michel Martelly c'est Laurent Lamotte c'est même eux même non Maxime Moïse oh campagne déclaration de graine gauche belle bagaille les Léon Charles c'est ambassadeur Haïti dans l'UEA mais la belle vie Claude Joseph, c'est héros qui soit dit soi-disant devant ses domaines contre Haïti, alors que les Haïtiens ont passé misère en bas pour Texas là, il était payé bouche, il n'a pas dit rien, parce que il paye États-Unis, c'est là que lié. Du coup, Haïtien sensible par rapport avec Dominicain, donc il penche sous ça. Oui, c'est Claude Joseph qui a mis en quête, c'est lui qui t'a fait arrêter et Samy Randal, alors que il était au courant que Samy Randal était États-Unis, il n'a pas fait rien. Comment faire connaître Samy Randal quitter États-Unis pour aller la Turquie, il va faire arrêter l'aéroport Miami. Donc c'est pour montrer le grand travail qui a fait Guillaume Moun qui est extrêmement influent dans le PHTK qui a essayé d'orienter Bagala vers un bon pour créer une opposition entre eux encore. Même dit son piège. Donc voilà, je devais faire un parler avec nous sur ça, mais avant de faire, je devais dire que moi-même, je suis journaliste international. Ok? Je fais une vidéo sur YouTube parce que je trouve que mon travail citoyen, avant tout, pour me communiquer avec publiquement directement en toute liberté. OK, pour pas directement Jacques dit mon cher pas dit moi dire ça, moi j'ai intérêt moi intérêt pas Haïti. OK? C'est pour ça que moi là, mais attention, cette histoire de youtubeur n'est qu'à plaguer comme ça non non non. Et samedi tout samedi moi assumer yo. Mais en même temps tout, attention, monde qui pas connaît moi, on me dit râler mais venir pour me dire que moi travaille avec DW, moi travaille avec Washington Post, moi collabore avec The Guardian, à un pilote gros média international qui m'en respecte par rapport avec capacité, par rapport avec compétence moi dans le domaine ça. À bientôt mesdames messieurs pour l'autre vidéo sur Chanel Pierre Richard Mizi. Si nous gagne commentaire, si nous gagne bagage que nous pas comprendre dans l'article là ou bien sous partie ça, si nous même nous bon bagage n'a aider me comprendre, quittez le commentaire, m'a bien content apprendre de nous tout parce que moi prêt pour apprendre de tout le monde. Et qui vient pour apprendre le monde. À bientôt.